Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va super bien aujourd'hui. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de ma série concernant World of Warcraft officiel. Donc c'est Voyage en Pandarie. Donc j'espère que vous allez super bien, moi ça va super bien. On va, je pense, de suite s'inscrire en donjon. En espérant trouver un donjon, mais il est quand même 1h42 du matin. Donc ça m'étonnerait qu'on trouve un donjon. Donc c'est pour ça qu'en même temps on va quêter, sinon le temps serait un petit peu long. Donc, on y va. Le canage perle. Parler au vénérin, d'accord, très bien mon ami. Et récolter 6 planchers de tortue, donc une quête assez assez chiante. Hein. Les planchers de tortue, c'est quand même des quêtes relativement chiantes. Je vais mettre le petit chrono que j'ai complètement zappé. Hop là, et voilà. Donc normalement, vous ne le verrez pas. Hein. Normalement, c'est le fameux chrono parce que je mettrai ma tête ici, normalement. Donc toi on va te parler, voilà. Ensuite faut parler à Bigoudi là en haut. Allez Bigoudi c'est fait. Faut aller parler à Troufion qui est je sais pas où. Alors il est où? Parler au forge machin. Oui. Au forge machin, je vais te trouver, moi tu vas voir. Donc là, je vais juste faire un petit ajustement après. Voilà, on va repasser en qualité faible au niveau de tout ça parce que j'essaie de booster 2-3 petites choses. Hop, ça risque de bloquer pendant un petit moment. Normalement ça devrait le faire. Voilà. Normalement ça risque d'être un petit peu plus fluide. Parce que si vous voulez, j'ai essayé de décrasser un petit peu le PC, d'améliorer tout ce que je pouvais en fait et par rapport à mes connaissances sur ce fameux... Comment dirais-je ? Sur ce fameux ordinateur que j'ai, donc je voulais vraiment essayer de maximiser vraiment les entre guillemets un petit peu la co et donc par la même occasion si vous voulez améliorer mes qualités graphiques en poussant de la RAM au maximum, en poussant vraiment en regardant les dernières vraiment les dernières au niveau des mises à jour, vraiment y aller vraiment comme un taré. Et donc du coup voir si ça a changé quelque chose. Et c'est vrai que hors vidéo, parce que j'ai pas un PC forcément surpuissant, c'est pour cela que hors tournage je peux en effet jouer en mode moyen ou bon. Et encore bon, je commence à ramer. Donc c'est pour ça qu'en vidéo il faudra malheureusement que je tourne en qualité faible. Par rapport à ce qui est l'ordinateur que je devais me prendre au niveau de l'ordi fixe, je ne pourrais pas, donc je risque de rester en qualité faible pendant un petit moment encore, j'en suis vraiment désolé. Parce que j'aimerais vraiment vous présenter un petit peu plus de qualité. D'accord? Parce que là, bon, même si c'est quand même regardable, je pense en HD, ça reste, je pense, un minimum regardable. Après, n'hésitez pas à me dire par commentaire si pour vous, ce n'est absolument pas regardable. Mais on va dire que si vous voulez, voilà, c'est pas que j'ai pas les moyens, parce que voilà, j'ai vraiment envie d'être transparent avec vous. Hein. Voilà, c'est pas que j'ai pas forcément les moyens en soi, c'est qu'il y a des choses qui se font du côté de ma vie privée qui font que je ne peux pas me permettre ça pour le moment. Comme par exemple un déménagement. Donc, on va reprendre le bon. Comme un déménagement, voilà, je vais déménager. Donc forcément avec un déménagement, tout ça. Connexion internet et compagnie, j'ai pas forcément le temps. Ah bah ils sont sur le dernier boss. Ok, voilà, vraiment tout dernier boss. Donc je vais invoquer, excusez-moi, je t'ai coupé. Voilà, donc voilà, j'ai pas forcément le temps à proprement parler si vous voulez de vraiment m'attarder à prendre ça. Donc j'y pense sincèrement, j'y pense sérieusement même. Bon, ça reste quand même important pour moi et important pour vous aussi, donc voilà, j'espère me le prendre dans un temps, on va dire proche à proprement parler. Donc mais bon, je ne me fais pas, on va dire, trop de soucis à ce niveau là normalement ça devrait pouvoir, on va dire, se faire sans trop de soucis, je pense. Donc, sachant que voilà, j'ai trouvé donc du coup par l'occasion un nouveau boulot. J'ai vraiment trouvé tout ce qu'il me fallait. Donc, c'est pas plus mal, je vous dirais.
Donc comme ça, je suis vraiment pépère et je peux enfin réfléchir, voilà, à me prendre un ordi, puisque je risque de gagner forcément un peu plus d'argent. Donc ce qui n'est pas négligeable forcément pour encore plus augmenter peut-être éventuellement mon budget concernant ce fameux ordinateur qui me permettrait de faire des vidéos forcément de bien meilleure qualité. Donc voilà pour ce qui est du PC en tout cas. Donc j'espère que ça vous fera plaisir. Donc voilà, j'ai bien un DPS de mort. Vous savez quand on va partir. Je sais que c'est pas forcément du rush kit ou quoi que ce soit. Ça n'a absolument rien à voir avec du rush kit, c'est juste que les mecs. C'est pas le DPS qui coince, c'est que les mecs, vous voyez, moi j'ai sauté au moment de certaines actions où il fallait sauter. Eux ne sautaient pas. J'ai pas que ça à faire de wipe, personnellement. Donc du coup, je préfère continuer à quêter. Voilà. Et éventuellement, dans un prochain épisode, pourquoi pas se faire un épisode donjon. C'est-à-dire qu'avant de lancer l'épisode, je ferai une recherche de groupe. Et une fois arrivé dans le donjon, je commencerai à rec. Voilà, je pense que c'est le meilleur moyen, je pense. Dans pas longtemps aussi, qu'est-ce qui va arriver? Donc là, normalement, c'est la vidéo, celle-ci, que vous allez voir. C'est celle qui va suivre la vidéo sur le let's play de Call of Duty 4. Si je dis pas de bêtises. Donc normalement, la prochaine vidéo sera un tuto. De tout simplement comment, si vous voulez, avoir accès ou du moins up sa réputation rapidement au niveau des serpents nuages pour avoir les montures ou quoi que ce soit. Je vous montrerai tout ça dans une vidéo qui ne sera pas très très longue en soi parce que voilà, bon après je connais pas tout très très bien dessus non plus. Donc toujours pareil, c'est quelqu'un de ma guilde en fait qui se connaît vraiment très très bien sur les astuces et tout ça. Et qui me les confie, et moi derrière je vous propose des vidéos. Et alors j'ai déjà pensé à la rigueur à l'inviter sur une de mes vidéos, comme ça ben, c'est lui-même qui vous expliquerait, et je pense que éventuellement ça serait plutôt pas mal, et moi derrière je le suivrai pour voir un petit peu ce que ça pourrait donner. Ça pourrait être sympa, mais il ne veut pas. Voilà, il préfère m'expliquer un petit peu tous ses trucs et astuces, et lui un petit peu rester dans son coin. Après c'est chacun fait comme il le sent, parce que moi personnellement ça m'est égal hein, il peut faire ce qu'il veut, moi, ça ne me regarde en aucun cas. Donc voilà, il fait sa vie, moi je dis rien, c'est, voilà, il fait entièrement ce qu'il veut. Bon après voilà, c'est sûr ça aurait été mieux parce que peut-être qu'il vous aurait expliqué éventuellement mieux que moi, peut-être qu'il aurait utilisé d'autres mots, d'autres façons peut-être aussi de vous expliquer tout ça. Donc je verrai bien ce qu'il en est. Donc ça on a fini, voilà. Est-ce que vous avez d'autres quêtes les amis? Oui, vous en avez d'autres. Toi tu en as d'autres, qu'est-ce que tu me donnes Mickey? Récupérer 8 objets anciens nage-perles, d'accord. Et récupérer le bâton, la robe et la couronne de jade et les perles en bois, ok. Ça je crois que c'est un petit peu au nord. Voilà, c'est ça. C'est un petit peu au nord, donc en fait on va avoir des monstres, on va avoir un peu ça. Faut les tuer tout simplement et looter ce qu'il y a sur eux. Rien de bien compliqué. Alors pourquoi je suis en... Comment ça s'appelle ? Pourquoi je suis en fouille automatique, c'est-à-dire que je prends tout le butin et je ne trie pas, de manière à ce que je puisse tout revendre. Parce que des fois, on n'a pas idée de ce que peuvent nous rapporter certains stacks, c'est-à-dire certains paquets de ressources peut-être inutiles, et comme dirait un grand youtubeur, inutile donc indispensable. Je n'ai peut-être pas besoin de vous dire qui c'est, hein, il s'agit de Mamie Twink, bien évidemment. Mais vous voyez ça, c'est peut-être useless, des fragments d'os, mais une pièce d'argent. Pour ce que c'est, d'accord, c'est rien, c'est vraiment rien. Ça, 11 pièces d'argent, 18 pièces d'argent, 28, vous voyez, sans compter forcément les loups verts et les loups bleus de Cataclysme. C'est vraiment, mais il y a vraiment moyen, si vous voulez, de se faire un paquet de gold. Donc voilà, surtout il ne faut absolument pas hésiter. Donc eux je crois qu'ils étaient en mode courage fuyons. Voilà, apparemment c'est la bande à Bono. Donc, toi mon ami, vas-tu me donner ce que je désire?
Voilà, est-ce que tu vas me donner? Donc je suis buffé hein, quand même, je vérifie quand même si je suis éventuellement buffé. Toi je sens que tu vas me faire chier, non? Oui, oui. En même temps c'est moi qui t'ai attaqué comme un con. Toi alors que tu n'allais rien me faire comme un gentil petit être vide poisson que tu es. Donc voilà, c'est pas grave. Voilà, toi tu m'as rien donné, c'est très gentil à toi. Tiens, tac. Tac, tac, tac. Voilà, donc j'espère en tout cas que ce genre de petite série vous plaît. Alors surtout que je continuerai avec l'arrivée de Warlord of Draenor. Donc j'ai toujours pas reçu de clé d'accès bêta. Donc je sais pas si je vais en recevoir une. J'ai fait comme il faut, on va dire. Là j'ai quelques ramouilles. Ouais, j'ai quelques ramouilles. Ah mais c'est même pas eux qu'il faut tuer en fait depuis tout à l'heure. Moi je suis là à dire ah c'est en fait c'est pas eux du tout quoi. Je suis en train de les enchaîner pour rien et là je suis en train de me faire des baisses d'IPS de ouf alors que j'ai aucun add-on. C'est génial. Bon enfin. Et donc si vous voulez, le truc qui se passe en fait, c'est que donc j'ai scanné comme il faut, il y a un moment de ça déjà. Je l'ai tout simplement scanné comme ils l'ont demandé. Et je n'ai donc toujours pas eu de clé d'accès bêta. Alors est-ce que au jour d'aujourd'hui, on est actuellement le 31 août, est-ce qu'ils ont arrêté d'en distribuer? Est-ce qu'ils en distribuent toujours? Je ne sais pas. Mais inutile de vous dire que si j'en reçois une, ne vous inquiétez pas, je vous ferai une vidéo carrément découverte avec vous. Hein. Je ne veux pas découvrir, on va dire, entre guillemets, cette extension, ou du moins cette bêta sans vous. Même au niveau de l'écran de connexion, même si j'ai vu 2-3 vidéos peut-être sur le net concernant peut-être des sortes de let's play ou des vidéos quotidiennes que certains youtubeurs mettent, je pense clairement et simplement à vous faire beaucoup de vidéos. Et donc comme ça pour parler des grosses nouveautés qu'il va y avoir sur ce nouvel opus quelque part, sur cette nouvelle extension que nous apporte Blizzard. Donc je pense que ça va être assez sympa, mais il faut tout d'abord que j'ai une clé avant de faire ça. Forcément, hein, ça serait peut-être pratique. Hein, forcément. Ça serait même beaucoup, beaucoup plus pratique, je pense, avoir une clé bêta pour faire des épisodes sur la bêta. Donc, génial! J'ai chopé les trois d'un coup. Putain, il était généreux celui-là. Très généreux, mon petit. Tu seras récompensé de la sorte en mourant. Et ouais, c'est ça, hein. Je suis tellement généreux, moi, putain, si vous saviez. Toi, vas-tu me donner la couronne sacrée? Alors, des fois, je lag, des fois, je lag pas, c'est génial. Bon, en même temps, mon ordi commence à se faire un peu vieux, quand même. C'est pas de sa faute. Ça commence à faire un petit moment que je l'ai. Sachant que WoW, en fait, bousille pas mal les écrans PC. Après c'est sûr, hein, si vous prenez un écran, enfin je veux dire un PC portable gaming ou quoi que ce soit, vous n'aurez vraiment aucun problème. Mais moi personnellement c'était très très loin d'être un PC gaming, hein. Je l'ai payé 500 balles dans une grande surface. Ça allait pas être un truc forcément folichon. Donc du coup il commence un petit peu à se faire vieux le machin, donc voilà, c'est pour ça aussi que je veux changer un petit peu rapidement, même si voilà pour le moment je peux pas. Donc je continuerai à vous faire des vidéos comme ceci, malheureusement qui ramouille un petit peu. Ça me fait chier pour moi aussi parce que pour vous c'est pas forcément agréable et pareil pour moi, hein. Après c'est vrai que je rame peut-être moins avec Fraps. Mais en fait, avec on va dire le logiciel que j'utilise, qui est Camtasia Studio 8, ceux qui demanderaient, je peux directement incruster pour le face commentary en fait, parce que j'ai deux boutons, donc pour commencer le rec et pour incruster le face cam, hein, tout simplement. Et par contre du coup je sors de la douche. Et donc du coup voilà, du coup c'est aussi pour ça et j'aimerais vraiment me lancer dans le face commentary, donc n'hésitez pas à venir si ça vous fait plaisir, si ça vous plaît surtout. Donc
Donc là par contre je vais juste changer un petit peu dans le sens où je vais plutôt partir sur un épisode de 20 minutes. Pourquoi? Parce qu'après j'ai beaucoup de choses à faire, même s'il est déjà 2h du matin. Parce que j'ai une journée assez chargée demain et je n'ai encore rien fait. Donc pour ça là il faut vraiment que je prenne du temps. Je sais pas à quelle heure je vais me coucher, mais je pense très très tard. Vraiment. Enfin, très très tard. Pas non plus passer une petite nuit blanche, mais bon. On va pas être loin quand même de la nuit blanche. Donc parce que bon j'ai besoin forcément d'avancer dans tout ce qui est carton et tout ça. Il faut que je finisse de ranger. Il faut que l'appartement après en lui-même soit propre pour tout ce qui est état des lieux, remise des clés, tout ça. Je pense que c'est un minimum envers le propriétaire qui m'avait passé l'appartement nickel. Donc voilà, j'ai encore vraiment beaucoup de boulot. Après, ne vous inquiétez pas, c'est pas parce que je déménage que j'arrêterai les vidéos, parce que là où je vais habiter en fait chez une connaissance et qui a déjà internet. Donc le temps de faire le changement d'adresse, qui tire la ligne internet et tout ça, je me servirai de sa connexion à lui qui est pas trop mauvaise au niveau du débit pour vous faire justement tout simplement de continuer les vidéos et de ne pas arrêter. Parce que franchement ça me ferait chier d'arrêter. Bon, même pendant un moment. Parce que c'est vrai qu'en ce moment voilà je produis une vidéo on va dire par semaine. Enfin je vous publie une vidéo par semaine. Comme là je sais qu'entre la vidéo sur l'Iron Man, je crois où je suis mort, et par rapport au, à la vidéo sur le premier épisode de Let's Play 2 Call of Duty, je sais que j'ai eu à peu près une semaine, je crois, de décalage. Mais bon, voilà, fallait que je vois un petit peu tous les papiers qu'il fallait faire, fallait que je vois un petit peu tout ça. Donc c'est vrai que c'était un petit peu galère, voilà, c'était un petit peu chaud. Parce que voilà, moi je m'y connais pas trop, j'ai à peine 20 ans, je peux pas tout connaître comme un adulte, même si j'essaye, mais c'est pas facile de rentrer dans le monde des grands, hein. Voilà, je pense que j'étais à peu près comme la plupart des enfants étant petits, je voulais devenir adulte et grand très très vite. Et en fait, quand on grandit, on s'aperçoit que putain, qu'est-ce qu'on était bien à l'école, les gars. C'était vraiment quelque chose de ouf. On était vraiment super bien en cours. Donc voilà. Mais bon là maintenant je rentre dans le monde des grands comme on dit. Et comme me répètent tous mes proches, voilà, maintenant je travaille. C'est-à-dire que j'ai trouvé peut-être un poste en tant que boucher en CDI. Donc c'est-à-dire que fini l'apprentissage, fini les gens qui sont derrière ton dos, maintenant c'est initiative, tu bosses tout seul, t'es bon, on garde, t'es pas bon, on gère. Enfin, voilà, c'est un petit peu ça le délire. En exagérant, hein. Attention, j'ai exagéré, hein. Mais voilà, c'est vraiment différent de l'apprentissage, des cours et tout ça. Donc franchement pour moi c'est encore une nouvelle expérience. Surtout là où je déménage, je connais personne. Parce que ici là, actuellement où je suis, hein, où vous voyez le contour là, ici là, oui, ici là, c'était en fait c'est comment dire le lieu où j'ai passé les 4 ou 5 premières années de ma vie. Donc voilà, j'ai retrouvé quelques potes, même si après de mes 5 ans jusqu'à mes 11 ans, je sais je vous raconte ma vie, hein, vous en foutez, mais bon, pour comprendre un petit peu le délire. Donc voilà, de mes 5 ans jusqu'à mes 11 ans, j'ai déménagé, mais dans une maison pas très très loin d'ici, donc j'étais toujours à la même école maternelle et primaire, donc j'ai toujours fait ma scolarité avec les mêmes potes. Donc en arrivant ici, je connaissais déjà pas mal de monde. Donc du coup l'avantage si vous voulez c'est que je connaissais du monde quoi, au cas où j'avais un souci, même j'avais de la famille dans les alentours, là-bas je connais personne. Donc on va voir, on verra ce que ça va donner. Mais là maintenant je me tais, il y a une cinématique, donc je crois, ou du moins un rituel, je me tais. Aidez vos enfants qui sont dans le besoin.
Un mollusque. De tous les côtés, les cours d'eau sont asséchés. Et il reste une voie, une rivière, dont le courant peut emporter par-delà ses temps. Musique suspense. Donc c'est bon, on peut aller rendre la quête et on va arrêter là, on a passé le rituel. Je pense que c'est une grosse étape ici pour gagner un petit peu leur confiance. D'accord. Donc voilà, donc là on rend la quête. On s'approche petit à petit du niveau 86. Donc voilà, j'ai fini la progression de ce fait. Donc là après je pense qu'on commencera avec les différentes histoires, si vous voulez. Un passage que j'apprécie fortement quand vous êtes du côté Ali et que vous venez ici faire vos quêtes. Je crois que ça marche un petit peu pareil du côté H2, vous avez 2-3 persos qui donnent un petit peu leur histoire que vous vivez. Et c'est vraiment génial, donc je vous montrerai ça sûrement dans un prochain épisode, hein, tout simplement. Donc j'espère en tout cas que ce face commentary vous aura plu. C'était Stifler, sur ce portez-vous bien les gars, et ciao. Dimanche.